Quel est votre nom? Indemunde. Kierno Hassan So. Quand est-ce que vous êtes né? Monto Jibinano, étendé. 1970 à Mamou. Parlez dans le micro. 1970 à Mamou. Quelle est votre profession? Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié? Ratoma Centre. Ratoma Centre. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas un tribunal à Wadjou et Kobe. Un jeune frère de nom de Suleiman So qui est parti au stade le 28 septembre. Kokamikro yaw tata. Quand il est sorti à 9h, il dit qu'il va au stade. Nous sommes restés jusqu'au soir, on ne l'a pas vu. Toute la famille s'est retrouvée. Suleiman est parti. Il était parti là-bas, mais on ne l'a pas vu. Le lendemain, on est sorti à sa recherche. On est arrivé au stade. On ne l'a pas vu. Nous sommes partis dans les commissariats et les gendarmeries, on ne l'a pas vu. Nous sommes partis à l'hôpital Donka, il n'a pas été vu là-bas. Après quelques jours, ils ont dit qu'ils ont envoyé les corps à la mosquée Faisal. Nous avons regardé là-bas aussi, il n'a pas été vu non plus là-bas. Depuis ce jour-là, nous n'avons pas ces nouvelles. Est-ce qu'il est effectivement parti au stade? Oui, ça, il a été. Ministère public des questions. Monsieur Kierno Hassan So. Non. Voilà. Alors, toute notre compassion. Suleiman avait quel âge? Suleiman a 25 ans environ. D'accord. Qu'est-ce qu'il faisait? Menuisier. Menuisier. Est-ce que vous connaissez certains de ses amis avec lesquels il avait été au stade? Donc, pour ne pas mentir, moi je n'ai pas été, je ne suis pas avec eux. Et dans nos recherches aussi, on a retrouvé ses amis aussi qui ont dit effectivement qu'il a été, d'autres personnes qui ont dit qu'il était au stade aussi. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. La défense. Ah. La défense n'a pas de questions. Parti civil. Monsieur le Président, on vous remercie, on n'a pas de questions. Vous pouvez disposer, Monsieur Sou.